Et salut à tous, et on se retrouve pour cette troisième partie, ce troisième match, le match de l'honneur. Donc toujours avec ton Mauve qui m'a mis une sacrée fessée, on va salut dire. Salut tout le monde. Voilà. Donc pour petit rappel, on joue avec vos decks, avec les decks construits avec les packs d'avant-première. Je joue le deck de Yogg, tu joues le deck de Mathias. C'est très bien, tu m'as mis 2-0, et là on fait une partie supplémentaire pour l'honneur. Et pour le fun. Et aussi pour le fun, bien sûr, parce qu'autrement ça n'a que très peu d'intérêt. Donc, déjà mélangé. Ouais, donc du coup, ben, je vais dire que je commence. Voilà, oui. J'ai encore perdu, je reprends la main quand même. On a déjà mélangé encore une fois, on pioche cette carte. Vous connaissez le principe, bien entendu. Et c'est parti, 20 points de vie chacun. Allez. Moi ça me plaît pas. Moi je vais garder. Moi ça me plaît pas du tout. Si tu fais un mulligan, c'est très bien. Ouais. Ça, je vais être avantagé. Ouais, non, je mulligan. Ok, et bah du coup, on fait une coupure mulligan. Donc voilà, mulligan effectué, je te laisse repiocher. C'est parti. Enfin, c'est reparti. 3 et 3, 6. C'est bien, tu as un niveau CP en addition. T'as vu, je sais compter. Bon, et ben. J'ai le regard 1. ça veut dire j'ai une main de merde. Ouais. Franchement, si je la gagne et que tu dis « Oh, tu l'as gagné parce que j'avais des mains... J'ai pas un mulligan et j'avais une mauvaise main de départ. » Je sais pas si l'honneur sera... Je vais la garder. Je sais pas. Écoute, si l'honneur sera sauf. Je vais la garder parce que... Je vais la garder. Très bien. J'expliquerai pourquoi après. Très bien. Et j'ai quand même mon regard. Donc c'est ça, et je vais la laisser dessus. Du coup, je commence, et je joue une île, et c'est à toi. Je fais pas des tours très compliqués au tour 1. Bah, ni toi ni moi. Et je joue une plaine, et c'est à toi. À la fin de ton tour, je vais jouer option. Ouais. Donc je fais un regard 1, puis je pioche une carte. Donc on va laisser ça au-dessus. Je pioche. Attends, ça je laisse ça comme ça, ça va au cimetière, je pioche ma carte, voilà. Ensuite c'est le début de mon tour. Ton tour proprement. Je fais ça, là. Je pioche une carte supplémentaire parce que c'est le début de mon tour et c'est très bien. Et je vais jouer un marais. Et je vais jouer pour deux mon compas. Le compas, le fameux. Et c'est à toi. Son effet de t'empêcher d'attaquer avec une bête est vraiment sympathique, je trouve. Ouais. Surtout que tu peux avoir des bêtes assez embêtantes. Bah, surtout au début, quand j'ai pas encore beaucoup de trucs sur le board. Après, ouais, après sur la fin, terrain, quoi, donc oui. Il n'arrive pas avant tour 7, quoi. Alors, je pose une montagne, et pour deux, je vais jouer une carte que tu connais bien, c'est le pirate, que je peux booster. Très bien. C'est une de deux. C'est à toi. Alors, si c'est à moi, et eh ben tu sais quoi, je vais reposer une île. Voilà. Attention. C'est très dangereux. j'ai peur. Et non, je vais dire que c'est à toi. Bah c'est bien ça. Je vais poser... Est-ce que je joue ça? Ouais. Pour moi, ça me sort pas beaucoup. Je vais poser une montagne. Pour 2. Pour 2, tu vas faire 3 manas dégagées. Mais j'ai 3 manas dégagées. Attention. 3 manas dégagées. Est-ce que je joue cette carte-là? Fais très attention. Après, j'ai ça derrière. Bon, allez, je la tente. De toute façon, j'ai gagné le match. Donc, Oh. Donc pour 2, je joue la carte au trésor. Très bien. Et bien, cette carte au trésor va arriver en jeu. Tout naturellement. Voilà. Et je t'attaque. Je prends 2. Avec ma 2-2. Et c'est à toi. À la fin de ton tour, j'engage mon compas. Ouais. Je vais chercher une île que je mets dans ma main. Ça marche. C'est un bon accélérateur ce truc-là. Bah, ça implique de garder 3 manas quand même à chaque fois. Et ça les met dans ma main, ça les met pas en jeu. Mais si j'ai rien. Bah, enfin, pour ce format, je veux dire. Si j'ai pour ce format, pour ce tour-là, notamment, c'est bien. Quoi. Que j'avais ça en main de départ et que j'avais pas trop de terrain, je me suis dit, ça peut le faire parce que il me ramène des terrains dans ma main. Hop, début de mon tour, je pioche une carte. Bah, justement, c'est une île. C'est très bien, comme ça j'en ai une d'avance. Et je suis à 4 mana, c'est bien ça. C'est très bien ça. Mais est-ce que tu peux faire des choses avec tes 4 mana? Ah bah, je vais me gêner, tiens.
Pour 4. C'est embêtant. Pour 4, eh bien, je vais jouer mon quartier maître. Et donc, je vais chercher... Un artefact. Un équipement ou un véhicule. Un artefact équipement. Et ce sera des ailes. Ça marche. Que je mets dans ma main. Et c'est à toi. Avant la fin de ton tour. Ouais, bien sûr. Hop. Merci. Hop. Et je scry. Et c'est pas mal. C'est bien, mais... Ouais, ça va. Non, c'est pas mal. Sachant que... Ouais, non, je vais laisser. Je vais laisser. Très bien. Ça peut... On a rainy day. Oui, ça peut servir, quoi. Voilà. Et voilà. Et du coup, je commence mon tour. Hop. Je pioche ma carte que j'ai scry. Donc tu sais de laquelle c'est, du coup. Tout à fait. Je pose la montagne. Ah non, pas la montagne. Ah, c'est la montagne. Je trouve que c'est un peu dommage que les montagnes se différencient pas suffisamment des plaines. Tu trouves que ça se différencie pas? Moi, je trouve que c'est... Je trouve que c'est bien. Enfin, la couleur est... Bon, bien sûr, c'est rouge et jaune, quoi, mais c'est... Ouais. Il y a une teinte trop similaire, je trouve. Ils contrastent pas assez l'un avec l'autre. Alors que la forêt, l'île et le marais contrastent très bien les uns avec les autres. Ils auraient dû faire la montagne plus flashy, je pense. Ou la plaine, plus claire, moins sombre, peut-être. Ouais, je sais pas. Je pourrais jouer ça... Mais tu ne le feras pas, car tu es quelqu'un de très gentil. Ça, c'est un peu gâché, peut-être. Non, mais écoute, je vais jouer pour 4. Ouch. Le paladin. Ah, donc tu veux ton rappel, vampire. C'est une 3-2, quand elle arrive en jeu, elle crée un jeton vampire 1-1 avec lui en vie. Très bien. Et ce sera tout pour moi ce tour-ci, c'est donc à toi. Et bien dans ce cas, effectivement, c'est mon tour. Alors. Ah bah voilà une carte qu'elle est bien. Pardon. Je mets une île. Bah ça va, en tout cas t'as moins de problèmes de mana que, ouais. Que lors de la première. Je suis plutôt content partie. Parce que j'ai commencé à 2 mana et ça se passe plutôt bien, donc. Et j'ai donc 5 mana. C'est bien ça. C'est très bien. Avec 6 cartes en main. Alors ce que je fais, c'est que pour 2. Je vais mettre mes ailes. Ouais. Pour 1. Et pour 3. Pour 3. Et oui, pour 3. Je vais mettre un vampire. Ouh, 2 de vol. 2 de vol, et quand il arrive en jeu, tu perds un point de vie, je gagne un point de vie. Alors, tu montes à 19, bah, et moi, je tombe à 19. Et tous les deux à 19. Tous les deux à 19. Et c'est à toi. Bon, c'est pas... Bon, voilà. C'est très bien. Pour une fois que je mets des créatures... Oh, bah c'est bien, ça. Non, c'est pas bien ça. Ah si, c'est très non, bien pour non, moi. Non, c'est pas bien du tout. Surtout que t'as plus de mana. T'as tout ton mana engagé. Oh mince. Donc. Qu'ai-je fait? Je vais jouer. Ah, Terra Nullius. Terra Nullius, tout à fait. Et tu choisis quoi comme type hein? Je choisis le type. J'ai quoi? J'ai du dino c'est dans mon deck. Pirate, vampire, chevalier. Oh, je vais choisir le type dino. De toute façon, elle peut faire de l'incolore. Elle peut faire de l'incolore. Je vais choisir le type dino. On est sur du dinosaure. Et pour 5. Non, pas elle. Et si. Mais tu n'as rien qui vole. J'envoie Kuatli. Bah oui, forcément. J'envoie Kuatli et. T'as même le droit de lui mettre un petit. Je mets un petit marqueur loyauté à 3. Est-ce que je crée un dino ou est-ce que je lui fais gagner un peu de vie? Je sais plus si t'as des trucs qui peuvent la faire tomber. Kuatli. Tu peux l'attaquer en fait. Oui, vu que t'as rien qui vole, je peux la one-shot. Enfin, là je peux pas, j'ai qu'une 2-2, mais si je la booste, je peux la one-shot quoi. Ou si je donne le vol à ça, par exemple, avec ça, je fais genre pouf, et il n'y a plus du Batli. Capote. Après, je peux tuer une créature, c'est bon, c'est pas. Ça fait un peu. C'est un peu triste de l'avoir. C'est un peu triste de l'avoir arrivé, de l'avoir repartir au tour suivant, donc. C'est ça. Après, si je lui fais gagner de la vie, elle tombe à 5, mais il suffit que t'as un équipement qui. Ah oui, elle tombe à 5, c'est vrai. Il suffit que tu aies un équipement qui monte la vie de tes créatures, et j'ai dans le baba aussi. Donc je vais plutôt renforcer mon board, et pour 0, je vais invoquer un jeton dinosaure 3-3 piétinement. Merci. Qu'est-ce que tu veux faire face à des Planeswalkers? Et sur ces bonnes paroles. Tu m'étonnes que je perds. C'est à toi. Très bien. Je sais plus, je me sens plus si je l'ai. Non, je l'ai pas invoqué à toute. À la première, tu l'avais. À la première, pas à la deuxième. Alors, voyons voir. Il est possible de faire certaines choses dans l'état actuel des choses. C'est bien, tu as des options. J'ai 5 mana. Ah non, l'option, je l'ai déjà utilisée. Non, enfin, des options de jeu. Ah là là. Je plaisante.
C'était pas drôle. Moi je trouvais quand même. Donc si je fais ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça, elle est à 3 hein. Uatli, ouais, elle est à 3. Ouais. Alors tu sais quoi, pour un mon pirate, il va se mettre à voler. Ouais. Je suis à 19. Ça va, j'ai de la marge. Mmh. Et pour 3 de plus, tu vas l'équiper. Je vais jouer un couteau. Écoute là, voilà. Et quand il arrive en jeu, il peut équiper un pirate. Donc mon pirate devient une 4-3 qui vole. Ouais. Et donc. Qui va s'empresser d'attaquer mon Planeswalker. Alors, ce qui va se passer, concrètement. Vas-y, explique-moi. C'est que lui, enfin, elle plutôt, le quartier maître, va aller mettre une baffe à Uatli. Ouais. Qui ne va rien pouvoir faire et du coup, elle va décéder. Et mon vampire va rester sur la défensive quant à lui. Bonne idée. Voilà. C'est tout, ça me paraît être un bon petit tour. C'est déjà bien. Voilà, donc je vais dire que c'est à toi. C'est déjà bien. C'est déjà pas trop mal, je pense. Alors. Ça fait des choses. Il y a quand même une. Alors, je viens de piocher ça, c'est pas trop mal. Non, c'est. Non. Arrête d'avoir peur chaque fois que je pioche quelque chose, voyons. C'est pas que j'ai. C'est toi qui joues bleu, je te rappelle. Alors, j'ai des options moi aussi. Je t'attends. Ouais, non, mais je sais que tu m'attends. Approche avec tes sales monstres. C'est quoi, franchement, cette équipe de bras cassés? Un pirate, un vampire, deux vampires, un dinosaure? Qu'est-ce que ça fait ensemble? Bon, un vampire, un pirate, c'est compréhensible. Alors, pour 3. Ouais, on va faire comme ça. J'ai invoqué un dino. 2-3 volant et les créatures que engagées. Exactement. Et c'est une 2-3. Et c'est une 2-3. Et derrière, je vais venir te coller des baffes. Oh non, pas ça. Avec tout le monde. Bah oui, forcément. Alors très bien. Ça donc, fait une bonne brochette de bestioles. Alors mon vampire va bloquer. Que va-t-il bloquer? Et en fait, il va bloquer. Alors, ou je bloque celle qui se booste, parce que potentiellement elle peut monter haut. Ou tu bloques directement la 3-2. Mais l'autre c'est une 3-2 de base quoi. C'est ça. Et donc je décide de bloquer ici. Tu bloques la 3-2, ok. Ouais. Donc mon paladin et ton Skymarch décèdent. C'est ça. Et tu prends 2, 3, 6. Et moi je gagne un PV. Grâce à mon vampire lundi. C'est ça. Je vais prendre effectivement 6. Donc tu tombes à 13. Et moi je remonte à 20. Ça. Et ça, cool. Ça va dans mon cimetière. J'ai 13! Belle parole, c'est à toi! Alors, t'as une volante. J'ai une volante. Ça, ça m'embête un petit peu par contre. Mais c'est pas grave, on va faire des choses quand même. Vas-y, fais tes choses. Alors, il faut que je réfléchisse. Parce que ça, c'est. Ouais, non, on va faire ça. Donc, on va payer 4. Mm-hmm. Pour jouer la marque du vampire. Plus 2, plus 2, lien de vie. Exactement. Là, ça commence à devenir problématique. Donc là, j'ai une 6-5 vol lien de vie. Ouais, là, ça commence à devenir très problématique. Je vais t'attaquer en bonne et due forme. Aïe, aïe, aïe. J'ai rien pour répondre à ça, malheureusement. Wow. 6-5 lien de vie, c'est ça. 6-5 lien de vie. Donc je perds 6. T'as un piouchou qui peut voler. 14. Ouais, mais je préfère le garder. Et tu gagnes 6, donc tu remontes à 19. À 19. Bon. J'espère piocher Ixalan's Binding très bientôt. Et c'est à toi. C'est à moi. Avant la fin de mon tour, hop. Bien sûr, Sry One. Tu vois, maintenant j'oublie plus. Alors, ça c'est. En l'état actuel des choses, je pourrais le prendre, mais. On va pas le prendre. Ah non, 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 je peux faire ça. Ah bah ouais, mais c'est bon alors, tout va bien. Hop. Encore une fois, tout est relatif. Hein. Tout est relatif. Alors, ça début de tour. Pour certaines personnes, ça va moins bien pour d'autres. Quand même, tu mets des points partout, hein. J'ai beau me remettre 6 partout. Ah ouais, je colle des baffes. Tu colles des baffes non négligeables. Je pioche ça, qui est pas mal. Bon.
ça peut aller. Que vas-tu faire? Là est la question. Mon pirate vampire qui a des ailes métalliques et un couteau dans une main. N'empêche, il est bien équipé. Hein. Ton pirate, il est très bien équipé. Là, il fait mal, ta pirate. Alors, c'est un monsieur aux cheveux, c'est une madame. Donc, je vais faire ça. J'attaque avec ces trois-là. Ouais. Écoute, puisque tu fais ça, eh bien, je vais rien dire du tout. On va les laisser faire ce qu'elles ont à faire. Je vais booster le pirate, là. Ouais. Alors, combien de fois? Pour... une fois, quoi. Ouais, très bien. Ça, c'est du mana. Donc, elle passe à 3. Donc, elle passe à 3. Ça fait 7 en tout. Ça fait 7. Je passe à 12. Et tu reçois, si j'arrive à t'enlever plus de PV que tu n'en regagnes... Oui, effectivement. Fatalement, à un moment... Voilà. Et là, je vais jouer ça. C'est un pari risqué. C'est un pari risqué. Je pense que... Il te reste 3 mana. C'est un pari risqué, mais on va le tenter quand même. Après, lui, il peut générer 3 trésors. Il peut générer 3 trésors. Pour 3. Pour 3, je joue le Fire Cannon Blast. Ah, comme une créature à attaquer, ça met... Ça met 6 au lieu de 3. Et du coup, je cible ton pirate. Voilà. Et il a mis le contre. Voilà. C'est plus le pierce, à moins que tu puisses payer 2. Je ne peux pas payer 2. J'ai retenu la leçon, hein, et pour avoir équipé mon pirate de la sorte, je n'allais pas le laisser sans protection. Non, mais tu as eu raison. Et c'est moi qui, cette fois-ci, me suis un peu trop empressé. Est-ce que c'est à moi? C'est tout à fait à toi. Ah bah si, tout à fait à moi. Je pense que je vais pouvoir piocher une carte. 6-5. Oh, yaya. C'est 6-5. Pour le moment. Pour le moment. T'as encore des trucs pour la booster, mon ton? Ah, peut-être. Alors, ce qui va se passer... Je vais vous le dire, moi, ce qui va se passer. Ce qui va se passer... Ce qui va se passer... Ce qui va se passer... C'est que je vais t'attaquer. Tu m'attaques. Avec ma 6-5. Vol, lien de vie. Eh bien, je vais bloquer... Yes! Avec ma volante. Envoie le piou-piou. Donc il part dans l'espace. Et je reprends 6 points de vie. Et je repasse à 18, ce qui est somme toute non négligeable. Oui. Du coup, ça c'est très bien. Puisque je vais pouvoir payer 3 pour jouer le petit vampire de tout à l'heure. Ouh! 2 de vol. Et récupère un PV qui m'en fait perdre. Exactement. Et c'est tout, ça va être à toi. C'est tout, c'est déjà bien. Je la sens bien cette partie. Je la sens mieux. Non mais c'est ça en fait, j'ai pas mal de petites protections, il faut constamment que je garde le mana pour. Quoi. Donc ça je peux le jouer. Pour ma défense, je ne joue quasiment jamais contrôle. D'accord. Bah, voilà. D'accord. Ça change rien au fait que j'ai joué comme une grosse double les parties d'avant, mais voilà. Alors, pour 4. Yes. J'ai joué la chevalière du Ptérodon. 3-3 qui a le vol tant que je contrôle un dino, c'est le cas. Ah non, une volante. Eh oui. Et pour... Est-ce que je fais autre chose? Je vais déclarer une phase d'attaque. Yes. Et j'attaque. Avec... Combien as-tu de cartes en main? J'en ai 2. Et t'as un seul mana, un color ou pour jouer un dino, très bien. T'attaques avec tout ça? Hop. On s'entretue. Ouais, donc moi je vais prendre 4. Et moi je récupère 1. Et tu récupères 1. Donc je passe, voilà, 15 à 15. Mais 15 à 15, c'est un peu le yo-yo cette partie. C'est vrai. Bah tant que t'as les trucs qui volent... Ouais. C'est ça, c'est l'idée. Et maintenant c'est à toi. Très bien, alors si c'est à moi, on va tout dégager. Je pioche une carte. C'est pas trop mal ça. C'est plutôt correct, on va dire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une phase d'attaque. Vas-y. Et j'attaque avec ma 6-5, vol, lien de vie. Alors pour mémoire, pour rappel, j'ai ça dans la main. Là, c'est 5 liens de vie, écoute, je suis à 15. Hein. Ah, c'est vrai que tu pourrais créer les trésors en mode... Ah, j'ai pas pensé à ça. Je vais laisser passer. Très bien. Tu vas donc passer à 9 et je vais repasser à 21, mais c'est bien, ouais. Ça c'est très bien.
Je sais pas si c'était le bon choix, mais écoute, on va tester, on va tenter. Pour 1, je vais jouer ma sirène à un vol. Mm-hmm. Et je peux en fait payer un bleu, la sacrifier, ouais. Et dire qu'une capacité ou un sort qui ciblerait une de mes créatures ou moi-même, je le compte. Tu le comptes, ouais. Ça c'est un peu chiant. Là pour le coup, elle va vraiment pouvoir servir. Oui. En fait, je pense que les erreurs que j'ai fait au tour précédent, c'est de mettre les bonus sur elle. En fait, je me suis dit, vu qu'elle vole de base, c'est intéressant, elle a une capacité d'évasion, mm-hmm. Je la bouge, je mets le lien de vie. Ouais. Alors qu'en fait, il faut plutôt mettre ça à d'autres, et puis elle la garder pour protéger l'autre. Pour protéger les grosses, voilà. Ouais. Et parce que là, ça va être vraiment compliqué de gérer ta... Et bah, c'est à toi. C'est à moi. Avant la fin de mon tour, je fais ça. Hop, je scry. Tu crées tes super trésors de l'espace. Si j'ai pioché ça, je pense franchement, à ce stade-là de la partie, ça ne m'intéresse pas. Je te la retourne, hein. Oui, c'est gentil. Elle est engagée, d'ailleurs. Du coup, elle est engagée pour l'instant. Je vais la dégager. Là, c'est le début de ton tour, je suppose. Hop. Donc, j'ai mes petits trésors. Et j'ai mon treasure cove. Hop là. Ma crique au trésor. Et je pioche. Là, ça commence à... Voilà, c'est déjà un peu mieux ça. Je rappelle que tu es à 9. Je suis à 9, tout à fait. Je pense que le lien de vie, c'est une de mes capacités à mots-clés préférées. Après l'annihilateur 6, bien sûr, hein, bien entendu. C'est 1-1. Après, le lien d'écureuil, c'est bien aussi. Pour 2. Attends, pas ce mana. Pour 2 mana rouge. Je t'attends. Je vais jouer un enchantement, Swashbuckling, qui donne +2/+2 et la sérénité à une de mes créatures. Ah, c'est un enchantement. Très bien. Qui vas-tu enchanter ? Je vais enchanter ma... Oh non, ma chevalière. Elle est grosse maintenant. Du coup, c'est une 5-5 vol. C'est une 5-5 vol ? C'est une 5-5 vol. C'est embêtant, ça. C'est embêtant. Est-ce que j'ai bien fait d'enchanter celle-là ? Elle vole pour le moment. Écoute, c'est fait, c'est fait. 5-5 vol, très bien. Il est sympatoche, cet enchantement, Il est plutôt cool. Je pense le rajouter dans mon deck. Après, je suis désolé de prendre un peu de temps, il faut que j'étudie un peu toutes mes possibilités. Ah non, mais la situation est complexe. Écoute, je vais l'engager, sacrifier un trésor. Piocher une carte. Et piocher une carte. Hop, c'est fait. Est-ce que ça t'aide ? Ouais, c'est pas mal en fait. Ça me permet de rajouter un peu de mana. Bah oui, bien sûr. À ce stade-là de la partie, je vais pas cracher dessus. T'as deux créatures volantes. T'as ton artefact. Rappelle-moi ce qu'il fait ton artefact. Il va me chercher un terrain pour 3. Je le mets dans ma main. Et une fois qu'il sera. Et quand j'ai 7 terrains sur la table, il se retourne et je peux t'empêcher d'attaquer là, avec une bête. T'as quoi ? T'as que 5 terrains ? J'ai que 5 terrains. Ok. Ça, je peux sacrifier pour avoir du mana. On va faire ça. On va pour 3 mana. Mm-hmm. Invoquer le change-pot Tylonali. Mm-hmm. De Tylonali. Tu remontes un peu tes montagnes juste. Hop. Hop. Ouais, donc on rappelle que c'est une. C'est une 0-1 avec la célérité, et quand elle attaque, elle devient une copie d'une créature attaquante. Non légendaire ciblée jusqu'à la fin du tour. Alors je te rappelle que si elle copie, admettons celle-ci, elle bénéficie pas du bonus de l'enchantement. Non. D'accord. Par contre, c'est pas dit une créature que je contrôle. Ça pourrait être une copie d'une des tiennes. Alors ça dit une copie d'une autre créature non légendaire qui est aussi en train d'attaquer. Ah oui, c'est ça. Donc techniquement, à moins que j'ai un gobelin qui est le party crasher qui peut attaquer en même temps que toi, je pense que c'est. Et du coup, je vais déclarer la phase d'attaque. Ah oui, tu bourrines quoi. Ouais. Le change-pot devient une copie du dinosaure. Yes. C'est une 3-3 piétinement. Yes. Hop. Donc j'ai 2-3-3 piétinement. Et j'ai un petit vampire qui. Lentement mais sûrement me redonne un peu de vie. Et bah tu sais quoi ? Bah je vais prendre 7. Tu prends 7. C'est ça. Donc 21, tu tombes à 14. C'est ça. Il te reste une carte en main, potentiellement 3 mana. Ouais. Est-ce que c'est à moi ? C'est à toi. Donc à la fin de ton tour,
Je vais payer 3. Chercher un terrain. J'engage, je vais chercher dans ta main. Un terrain de base que je mets dans ma main. Ce sera pour le coup. C'est vraiment frustrant parce que en soi j'ai quand même vachement plus de créatures sur le board que toi, mais. Ce sera un marais que je mets dans ma main. J'ai 2 créatures et t'en as 4 effectivement. Ah, oh, t'as le Skull de Gurry. Pardon ? T'as le Skull de Gurry. Le Skull de Gurry. C'est la carte qui te permet de booster une de ces créatures en lui donnant plus 1 et ajouter un malus de -1/-1 à une oui, effectivement, créature oui. adverse. Effectivement. J'ai oublié que t'avais ça là dans ton deck. Je te laisse remélanger. Effectivement, elle est dans le deck, ouais. Donc début de mon tour. Parce que ça, du coup, c'est redevenu une 0-1. Bah là, c'est ça, le truc, c'est qu'elle est fragile tant que c'est pas ton elle tour. Elle est fragile. Quoi. Je pioche ma carte de début de tour. Mm-hmm. Je pose un marais. Mm-hmm. Je suis à 6 terrains. Très bien. Je vais déclarer une phase d'attaque. T'as une grosse bête quand même. Hein. Mm. T'as une 5-5, c'est ça? Bah, qui peut tuer la tienne normalement. Ouais, c'est ça. Allez hop. Mais si t'attaques, c'est que tu dois avoir quelque chose. Pas du tout. Je sais pas du tout de quoi tu veux parler. Du coup, je vais prendre. Ah! Ça me mettrait à 3. C'est ça. Et derrière, est-ce que tu peux me tuer? Ça me remettrait à 20. Ça te remettrait à 20. Est-ce que tu peux me tuer alors que j'ai 3 PV? J'essaie de me souvenir des cartes qu'on a. C'est fourbe, parce que soit je perds ma créature, soit je prends le risque de me retrouver vraiment très bas. Peut-être que je bluffe, hein, et que ça va peut-être tuer ma créature. Bluffes, hein, peut-être que tu bluffes. Que je serais content de t'avoir tué une 5-5 bonne. Non, écoute, je ne bloque pas. Eh bien, tu vas prendre. Je tombe à 3. 3, c'est ça. Et ensuite, je vais payer. Je vais payer quoi? Je vais c'est payer. Erreur, c'est ça 3. Non, pas forcément. Donc je paye 3 et je vais mettre en fait un tourmenteur de bon je crois que c'est Morneuil encore une fois Dead Eye. C'est une 2-2 avec le raid quand elle arrive en jeu, si j'ai attaqué avec une créature ce tour-ci, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ah. Une unique carte et c'était quoi un vampire? C'était un vampire, c'était une 2-2 lien de vie. Le soldat de l'évêque. Une 2-2 lien de vie. Très bien. Voilà, okay. J'ai plus de cartes en main. C'est compliqué. Voilà. Je suis à 3 PV sur tout ça qui est compliqué. Et j'ai terminé mon tour. Ok. Hop, hop, hop. Effectivement, 3 à 4. Hop. Au fait, je me suis pas remis des points de vie. Oui, tu t'es totalement remis des points de vie. Oui. Je suis à 20, c'est bien ce qui me semblait. Alors, ça, c'est bien, mais c'est pas génial. Donc, je vais sacrifier un terrain. Hop, piocher une carte. Ah, forcément. Sinon, c'est pas drôle. À piocher un terrain. Je sais pas, peut-être, qui sait. oh là là, c'est compliqué. 2, 2, 1. Et je suis à 3 PV, je peux gagner 1 PV. Ouais, effectivement. J'aimerais pas être dans ta situation. Mais bon, j'ai vécu ça aux parties d'avant de manière inverse. Ouais, donc, ouais. Après, ce qui est dingue, c'est que t'as 4 créatures, effectivement. J'ai 4 créatures. Donc, non, ça 5 vols, une 3-3 pieds. Je passe sans défense, quoi. Ce que je vais faire, c'est que. Mon quartier maître vampirique a fait vraiment du très bon travail jusqu'à présent. Je pense qu'il va continuer dans ce sens. Ça, elle dure depuis un moment, ta carte. Bah, depuis quasiment le début, en fait. Je vais attaquer. Ouais. Donc tu copies le dino. Donc je copie le dino. Donc ça fait 2-3-3 piétinements. Très bien. Bah, tu sais quoi? Je vais les prendre. Ouais, je m'en doutais. Donc je suis à 14. Tu es à 14. Et c'est à toi. C'est à moi? Ouais. À la fin du tour. Pour 3, je sais pas si je fais bien de faire ça. Tu vas chercher. Regarde, je vais chercher un terrain. Ouais. Du coup, elle flip, c'est ça? Non, ça sera à la fin de mon tour. Là, le terrain, je le mets pas en jeu de toute façon. Chercher une île. En fait, typiquement, si t'avais un éphémère, vu que t'as tout ton mana, tu pourrais éventuellement me casser quelque chose. Je pourrais, mais. J'ai fait le pari que t'avais pioché un truc qui sert à rien. Je te laisse me remettre oui. Le temps que je dégage tout. Donc tu ne fais rien, Non, c'est à toi. Yes. De toute façon, même si Ah merde, je suis con, j'ai même pas regardé de PV avec mon épire.
Tour des pions, en effet. Donc début de mon tour, je pioche. Je mets une île. Je déclare une phase d'attaque. J'attaque avec le 6-5 vol. Bah là, de toute façon, je suis un peu obligé. Donc tu bloques avec ta 5-5. Je bloque avec ma 5-5. Alors pour un bleu, je vais lui donner plus 0, plus 3 défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ouais. Donc elle va encaisser en fait ta bestiole. Ça va la tuer. Hop. Moi je regagne 6 points de vie, je repasse avant. Voilà. Ensuite, pour 1 et pour 2, je vais jouer un petit looter. Mm-hmm. C'est un pirate de 1 raid. J'ai attaqué ce tour-ci, donc je peux piocher une carte et me défausser d'une carte en fait. Mm-hmm. Hop. Bah très bien. Et je me défausse d'une île. Pourquoi j'ai deux cimetières? Je sais pas. Ça semblait un peu, faut voir ça avec toi-même. Un peu pas logique. Très bien, donc j'ai pioché un truc tout à fait correct. T'as plus rien qui vole et tout. Ouais, ah non, là j'ai plein qui vole. De toute façon, j'ai déjà fait ma phase d'attaque, donc je ne peux pas réattaquer ton si bien entendu. Ça va être à toi. Ok. Donc fin du tour, j'ai 7 terrains, je flippe mon compas. Tout à fait. Ce qui fait qu'il va pouvoir. J'aurais presque même pu refaire sa capacité en fait avant qu'il se flippe. Mais non. Pour aller me rechercher encore un terrain. Je ne le fais pas. Je vais faire ça une dernière fois. J'ai ce qu'il faut dans ma main, on va dire. Je sacrifie mon dernier trésor. Tu pioches ? Pour piocher. Ah ! C'était une montagne. Ça peut m'offrir un petit sursis. Mais vraiment petit. Donc j'ai pioché ça. Ouais, c'est vraiment minuscule comme sursis. Mais on va le jouer quand même. Du coup, pour. Pour 3. Ouais. Je joue mon clair. Ah, qui te fait 4 points de vie, c'est qui, ça. C'est une 3-2 qui me. Ouais, tout à fait. Qui me redonne 4 PV. Tu repasses à 7. Je repasse à 7. Tu vas gagner un tour. Voilà, ça me fait gagner un peu de temps. Tu te raccroches à ce que tu peux. Bah ouais. Et du coup. Est-ce que j'attaque? Est-ce que je gagne des bloqueurs? De toute façon, t'en as deux qui volent, je peux absolument rien faire contre elle. Oui, j'ai un qui vole, effectivement. Bah en fait, je suis mort au prochain tour, en fait. C'est vrai que je pourrais attaquer avec. Je suis mort au prochain tour. J'ai pas besoin de l'engager pour déclencher son effet, donc j'aurais pu attaquer en fait à chaque tour. T'aurais pu. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais bon, ça aurait pas changé beaucoup. Moi non plus, j'ai pas pensé, mais bon, même si j'avais pensé, aurais-je été fair play au point de te dire « Vas-y, attaque-moi encore plus !» Moi, je l'aurais fait. Bon, franchement... Je suis masochiste. Moi, je suis pas masochiste, donc du coup, je vais pas faire durer le plaisir jusqu'au bout. J'ai rien pour te contrer, donc au prochain tour, en fait, je suis mort. Ok. Parce que tes deux créatures... Ah non, ouais, j'aurais pu, avec mon lien de vie, j'aurais pu me ramener un... Ça me ramène... Ouais. Mais bon, ça dépend, tu pioches quoi, après? Bon, on va voir. Ouais, je peux chez ça. Ouais, ça t'aurait fait un bloqueur volant. Ça m'aurait fait un bloqueur volant, ouais. Ça m'aurait fait gagner une sursis. Ouais, bon, ouais, c'est... Ouais, il faut jamais abdiquer normalement, mais bon. Tant pis. Alors, pour info... Non, mais j'ai pas pensé au vampire, en fait. En fait, moi, derrière, je jouais Hostage Taker et je volais, en fait, ta volante, si jamais tu l'as posée. Donc, je t'empêchais de l'opposer à ma créature, et j'avais une 4-4 vol encore en main. Ouais, que non, de toute façon, t'avais beaucoup plus d'options que moi. J'avais quelques options, ouais, voilà, c'est ça. Bien joué. Bah, bien joué à toi aussi, donc bah, pour l'honneur. Pour l'honneur, voilà, tu as gagné ta partie. Donc ça prouve bien que les decks sont... Non, je pense qu'ils sont équilibrés, je pense que à partir de cette partie-là, j'ai un peu mieux cerné le paquet. Forcément, au bout de 4 parties, tu commences aussi à savoir un peu les mécaniques. C'est ça, parce qu'en fin de compte, on a fait moins de parties. Puis je pense que là, j'ai vraiment eu une main intéressante, parce que j'ai eu toutes mes protections, en fait, dès le début. Oui. J'avais la sirène, j'avais le spell pierce, qui est là, et j'avais la petite bleue qui donnait défense talismanique. J'avais vraiment les trois, je me suis dit là c'est le moment ou jamais, ouais. Je les garde tout en main, je me garde un bleu, j'avais la marque du vampire, donc je mets tout sur une créature en particulier, et je me mets des points de vie. Tandis que moi à côté, j'ai pas pioché mes volantes du tout de cette partie, je crois. Non, je crois pas. Si, j'ai pioché celle-là qui a le vol. Ouais, qui a le vol, mais t'as pas pioché. En soi, c'est pas une volante. T'as pas pioché tes volantes, toi, effectivement. Ouais, j'ai pioché celle-là. Mais c'est pas celle-là les plus intéressantes. Voilà, bon, écoutez, moi je trouve que c'était intéressant. Je suis content qu'on ait fait cette troisième partie en fin de compte, parce qu'elle était plutôt intéressante. Cool.
Malgré le fait que j'ai gagné, je dis pas ça parce que j'ai gagné, bien entendu, mais enfin pareil. On voit que malgré le fait qu'un des deux decks arrive à prendre le dessus sur l'autre, l'autre arrive vraiment bien à se protéger et à tenir bon. Enfin, c'est pas genre un deck qui écrase l'autre, quoi. Enfin, je trouve. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est pas normal. C'était intéressant. J'avais un board assez rempli et toi, en plus, t'avais juste une créature qui arrivait. C'est ça. C'était marrant de voir les compteurs de vie faire le yo-yo. Exactement. C'est bien, ça m'a donné beaucoup de travail pour le montage, c'est super. quoi qu'il en soit, bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le concept général du fait que ce soit des packs d'avant-première, que ce soit vous qui avez proposé les listes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir à ce sujet. Si c'est le cas, on en refera, tout simplement. Ouais, si vous dites c'était trop nul et tout, bah, on n'en fera plus, tout simplement. Voilà, moi ça me fera moins de travail pour le montage. moi j'ai bien apprécié, ça m'a bien plu. Et sur ce, je ne m'attarde pas plus et je vous dis eh bien, à très bientôt sur Vous Sera la chaîne. Et dernière chose, si vous avez apprécié la compagnie de Ton Mauve, n'hésitez pas à le mentionner, pouce en l'air et il reviendra. Voilà. Je ferai des featuring. C'est ça. Allez, à plus tout le monde. Salut tout le monde.